Mort de Jacques Ciron, la mythique voix d'Alfred Batman décède à l'âge de 94 ans. Une triste disparition. Après Kirstie Alley, Georges Caudron, ou encore Franck Vallelonga Jr. en cette fin d'année 2022. Le monde du cinéma pleure la disparition d'un célèbre acteur et doubleur français. Ce mercredi 7 décembre 2022, Allo Ciné rapporte la disparition de l'acteur Jacques Ciron. Ce dernier est décédé à l'âge de 94 ans. Né à Paris en 1928, l'acteur débute sa carrière de comédien dans les années 50. Après quelques rôles sur grand écran, il se tournera vers le doublage. Au cinéma, les Français ont pu suivre les premiers pas de Jacques Ciron dans Les Dents Longues. De Daniel Gélin, 1952, ou encore L'île aux femmes nues, d'Henri Lepage, toujours en 1952. Il obtiendra ensuite des rôles plus importants dans Zédieu, créé à la femme de Roger Vadim. Les Ripoux, de Claude Zidi, Le cerveau de Gérard Houry, ou encore Ensemble, c'est tout. De Claude Berry. Plus récemment, il est apparu dans La Croisière, avec Line Renault. Qui a partagé un tendre message pour les 5 ans de la disparition de Johnny Hallyday. Le monde du cinéma est en deuil. Connu sur grand écran, Jacques Ciron devient ensuite une voix importante dans le cinéma français. En prenant la voix de nombreux personnages de dessins animés, dans Blanche-Neige et les Sept Nains. Il sera la voix du miroir. Au cinéma, il sera choisi pour doubler Marcus Brody, Denol Melliot. Dans le film Indiana Jones et la dernière croisade. À noter que le 5e opus de la saga est attendu pour l'été 2023. Toujours sur grand écran, il sera derrière la voix d'Alfred Pennyworth, le maître d'hôtel de Batman, dans les films de Tim Burton. Pluridisciplinaire, Jacques Ciron se confrontera aussi au théâtre. Sur les planches. Il donnera la réplique à Jean-Paul Belmondo, Jean Le Poulain, ou encore Jean Marais. Les fans de Disneyland Paris n'ont pas été oubliés. En effet, le comédien sera aussi la voix, dans la file d'attente de l'attraction La Tour de la Terreur. En 2018, il décide d'arrêter sa carrière dans le doublage. À l'âge de 94 ans, Jacques Ciron décède ce mercredi 7 décembre 2022.